Bon, connectez-vous, on va faire ça rapidement. Bonsoir, bonsoir à tous. Prenez un peu de coca. Comment allez-vous là? Merci, bonsoir à tous, bonsoir. Est-ce que la luminosité est bonne? Parce que avant-hier, la vidéo que j'avais faite, je ne savais pas que la luminosité n'était pas bonne. Marie-Esther, Tia, comment va? Dites-moi si la luminosité vous va, tout et tout. Hey, Abizongo, comment vas-tu, ma personne? Ça fait un bon moment, là. Oui, Solange, comment vas-tu? Bon, on dit la luminosité est bonne. Merci beaucoup, merci à tous. Merci. Awe Kwaku, est-ce que c'est toi? C'est ma chérie, à moi, Yolande? Ouais. Ah, Abeti Masikini. Comment ça va? Bon, moi ça va bien aussi. Merci beaucoup, je vous vois déjà connecté. Déjà, vous êtes à 200 personnes. Partagez mes personnes. J'ai mes personnes, mais bon. Oh, merci. Aïe. C'est l'hiver, non? Les vidéos ont commencé dans la maison, donc c'est ça. Merci. Oh, aujourd'hui, j'ai écouté une chanson comme ça sur laquelle je suis tombée par hasard. Une ancienne chanson, là. De Lolo Diana, Amour vrai, c'est ça le titre. Donc on va écouter ça le temps que vous partagez, parce que cette vidéo, elle est importante. Bon, je ne vais pas dire que c'est un rectificatif, je suis là pour expliquer. Parce que quand tu fais une vidéo, et puis tu vois des commentaires qui te reviennent, tu te dis, bon, c'est vrai, la vidéo a été courte, mais peut-être que mon message n'est pas bien passé. Mais mon message est quand même bien passé, parce que j'ai reçu 10 personnes. Aujourd'hui, dans mon WhatsApp, ici au Canada, qui m'ont appelé pour dire l'impacteuse. Je suis là, ça fait 2 ans au Canada. Moi, je ne savais même pas qu'on prend assurance habitation. Donc, c'est vrai que je suis dans le vrai. Mais je vais expliquer. Puisque vous, les gens de la France, vous m'êtes revenu avec le commentaire. Non, ici, c'est obligatoire. C'est obligatoire, le mot obligatoire, là. C'est ce que je suis venu vous définir. Donc, je vais vous mettre une chanson. Partagez, prenez le temps de partager. Et puis... J'allais me servir un peu de coca. Qui se rappelle cette chanson-là? Hey, Amé Yolande, comment tu vas? C'est tout des excuses, ceux qui t'aiment pas. Il dit la voyage. Partagez la vidéo. Je viens, partagez. Prenez le temps de partager. Sache que je t'aime. Lolo Diana, je ne suis pas auteur de la chanson. Un amour cessé. Vanessa aussi, ma fifi, ma joujou. Partagez. T'as une vidéo instructive. T'as une vidéo de sensibilisation.
Non, mais c'est pas ton époque, ça c'est notre époque, ça. Elle dit, elle va la comprendre. Je n'ai pas besoin de ta voiture. C'est Lolo Diana. Elle dit, on n'a pas besoin de villa. Elle a besoin que de son cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, on va mettre ça de côté. Il est tard, un peu partout. Mais je vous demande déjà, vous qui êtes là, partagez ma vidéo. Oui, partagez-la parce que c'est une vidéo, comme je dis, instructive. J'ai fait cette vidéo hier. J'avais un peu de difficulté. J'avais beaucoup de misère à la mettre en ligne. Et puis bon, je l'ai mise au petit matin. Je l'ai programmée. Et j'ai dit qu'il y a eu 10 personnes ici dans mon WhatsApp quand j'étais à ma pause qui m'ont contacté. L'impacteuse, on a vu ta vidéo. Nous, on ne savait pas. Il y a d'autres qui viennent d'arriver. Il y a certains qui sont au Canada. Ça fait 3 ans. Ils ne savaient même pas qu'on prend une assurance habitation. Merci beaucoup. Comme je vous ai dit, j'ai fait cette vidéo. Avant de faire cette vidéo, j'ai appelé. Comme je vous ai cité dans ma vidéo, il y a Michel qui est dans les assurances ici à Montréal, que j'ai contacté tout et tout. Le constat est clair. Mais pas ici seulement, parce que j'ai vu des commentaires, oui, en France, c'est obligatoire. Mais est-ce que c'est parce que c'est obligatoire que c'est respecté? Là vient ma question de ce soir. Parce que vous m'envoyez ce commentaire, oui, ici en France, ici l'assurance est obligatoire. Oui, l'assurance est obligatoire. Même l'assurance auto, là, c'est obligatoire. Mais est-ce que c'est tout le monde qui prend l'assurance auto? Ou vous êtes en France, là-bas, là, il n'y a pas des gens qui conduisent les voitures sans prendre une assurance? Quand on fait une vidéo, il faut aller au-delà de ces petits raisonnements-là. Oui, c'est le raisonnement des gens qu'ici, c'est obligatoire. C'est obligatoire là-bas, en France, oui. C'est obligatoire peut-être dans tous les pays de l'Europe. Mais est-ce que c'est tous ceux qui sont là-bas qui ont une nation? Il n'y a pas un moyen par lequel des gens peuvent passer, des gens peuvent tripatrier pour pouvoir être dans une maison sans prendre une assurance, habitation. Tous ces niamselets, moi j'ai vu en France là, vous tous qui êtes là-bas là, hein? Comme 2 jours là, j'ai pris un peu la pause là, donc vous ressortez. Non, qu'est-ce qu'elle raconte? Je raconte quoi? Je raconte la pure réalité. Où vous êtes en France là? Parce que c'est vous. Je suis allé regarder vos profils. Et puis dans vos commentaires, c'est ce qui est revenu. Oui, en France ici, peut-être au Canada. Qu'est-ce que vous me racontez? Vous me racontez quoi là-même? Attends, m'asseoir. Je vais m'asseoir. Parce que j'ai eu une grosse journée de travail. Je m'assois et puis je régle ça. Moi, j'ai lu un peu les commentaires. Mais c'est ça. Les commentaires m'est revenu constamment. En France, ici, et on met ici, il y a l'assurance habitation. Il a dit, France, là, mais vous parlez de ça. Quand je fais mes vidéos, là, épargnez-moi vos commentaires de, en France, ici. France, là, je suis pas là-bas 3 fois. Je connais la route où on va. Donc, quand je fais mes vidéos, là, et puis je parle en général, là, ne pensez pas que, ça dit, où vous êtes en France, là-bas, vous, les Africains, là-bas, ça dit, vous avez un statut spécial. Vous comprenez? Parce que ce commentaire m'est revenu. Si ce n'est pas ignorance, là, je tolère. Mais si je pensais, j'ai vu d'autres commentaires où ça me vient, non, peut-être que c'est où tu es là-bas. Si tu n'es pas informé, il faut te renseigner. J'ai dit, où vous êtes versé là-bas, entassé là-bas comme dans des boîtes de sardines, là. Vous tous qui êtes là-bas, vous avez assurance habitation. Vous avez assurance habitation là-bas. Arrêtez ça. Arrêtez de vous donner de la contenance. J'ai fait une vidéo très instructive. Une vidéo qui sensibilise. Au Canada, ici, là, il est interdit de prendre l'alcool au volant. Est-ce pour autant que des gens ne prennent pas, ça dit que des gens ne prennent pas des litres d'alcool et puis ne prennent pas le volant, mais on continue de sensibiliser? Ma maison où je suis ici, là, c'est un milieu de travail. C'est considéré comme un bureau, comme un environnement de travail. Donc, il n'y a personne qui doit venir fumer à 6 mètres de ma maison. C'est ce que la loi a dit. Mais souvent, il y a des gens qui viennent fumer là. Je suis obligée d'attirer leur attention. Ah, ben, on a oublié. Donc, ça veut dire que la loi est là. Il y a l'obligation. Mais dans la loi là,
on continue tout de sensibiliser. Donc, de quoi est-ce que vous êtes venu me parler? Vous me parlez de quoi là-bas? Hein? Vous me parlez de quoi là-bas? De tous ceux qui ont immigré même dans le monde entier là. Les Africains, la majorité des Africains en Europe là. C'est vous qui êtes les derniers. Je vous dis ça, vous. C'est vous qui faites la honte même de tous les immigrants sur la terre ici. Et dis ça. Donc quand on parle là, c'est pas vous qui allez donner les exemples. Vous êtes les derniers à donner les exemples. Parce que de si aujourd'hui même là, les immigrants ne sont pas considérés partout où ils immigrent là. C'est à cause de votre comportement, vous qui êtes en France. Donc, de quelle leçon vous me parlez? Vous me parlez de quoi? Quand les gens font, vous croyez que quoi? J'ai ma meilleure amie en France qui est en train de sortir avocate. Elle me donne votre dossier. Elle m'explique, mais Monique, quand tu fais tes vidéos, tu es dans le vrai? Tu parles même comme si tu vis en France ici. De quoi est-ce qu'on parle? Que non, ici, tout le monde est pour prendre une maison, tu dois avoir une assurance habitation obligatoirement. Mais vous avez une façon de coussicuter les choses. Vous voulez qu'il explique ça dans la vidéo ici? Vous avez compris? Peuple blé. Donc, votre affaire de non, ici en France, c'est affaire de non. Tout le monde a assurance obligation, habitation. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi ce que vous dites. Des gens, j'ai vu là-bas, on dirait des gens qui vivent dans mon village, à Yokoria, dans mon village, à Dalwa là-bas. Là. Tous ceux-là, ils ont assurance habitation dans leur maison. Arrêtez un peu. Arrêtez. Si toi, tu as ça, tu peux dire oui, l'impact, tu as raison. Mais venez dire que non, ici, tout le monde a ça. C'est comme si moi, j'ai menti. À tel point que le doute même s'est installé dans ma tête. J'étais obligée d'appeler ma copine. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu me racontes quoi, Monique? Tu es dans le vrai. Si c'est pour même parler sur les réseaux sociaux, ils sont les premiers. J'ai dit, quand je parle d'assurance habitation, je parle de tout là. C'est la qualité de vie. Donc si toi tu es en France et que dans ton HLM ou bien dans ton logement privé où tu es là-bas, tu as une assurance privée, tu as une assurance habitation, oui, tu apprécies ce que j'ai dit, mais tu ne viens pas pour boycotter en bas pour dire non, ici en France, tout le monde a ça. Quel tout le monde? Sécurisez ma vidéo. Quel tout le monde? Qui est tout le monde là-bas? Hein? Arrêtez un peu ça. Le détecteur de fumée dont j'ai parlé, si vous n'avez pas compris, je vais vous expliquer. Moi, mes choses, il y a les preuves toujours quand je parle. Voici le détecteur de fumée. Ce détecteur de fumée, parce que je ne sais pas si c'est mon message qui n'est pas bien passé, mais je suis là encore pour insister autant que faire se peut. Le détecteur de fumée, dans toutes les maisons en Occident, il y a un détecteur de fumée. Il y a un avertisseur de fumée. Mais l'avertisseur de fumée là-haut, il n'a que de la valeur s'il est fonctionnel. Donc, pour que tu saches qu'il soit fonctionnel, il faut t'assurer que la batterie qui est dedans là, elle marche. Ou bien il y a d'autres même qui marchent. J'en ai deux en haut ici. Il y a un qui est là, lui n'a même pas besoin de batterie parce qu'il est relié directement au système de sécurité de la maison. Donc lui, il n'a pas besoin de batterie, mais je dois m'assurer que il clignote tout le temps. Il y a un petit luminant vert qui doit être là, donc je m'assure. C'est lui-là qu'on avait mis ici, ça c'est le premier qui était là. Donc, mais je dois m'assurer que la batterie qui est dedans, elle est en bon usage, elle est fonctionnelle. Mais si la batterie n'est pas fonctionnelle et que le détecteur de fumée est dans la maison, c'est comme s'il n'y a pas de détecteur. Donc, quand vous me revenez à le commentaire, non, dans toutes les maisons en Europe, ici, il y a détecteur de fumée. Est-ce que dans ma vidéo, j'ai dit qu'il n'y a pas de détecteur de fumée? Ce que j'ai dit dans ma vidéo, j'ai dit, assurez-vous que le détecteur est fonctionnel. Donc, ma vidéo a été claire. Donc, c'était quelle affaire de dire que non, ici, le détecteur est obligatoire. Je n'ai jamais dit que c'est, y a pas, ce que j'ai dit, assurez-vous. Vous comprenez? Donc, on ne vienne pas me dire que non, comme on appelle ça ici, l'assurance habitation est obligatoire. Mais j'ai dit, oh, pour voyager, pour venir en Europe, là, on te demande un passeport avec un visa dedans. C'est obligatoire. C'est tout le monde qui vient par passeport à un visa. Hein? Je suis venu pour vous poser la question. Hein? Parce que le mot obligatoire est tellement sorti que je dis, mais attends. Pour voyager chez les Blancs, il faut passeport, un visa dedans. Et puis tu voyages pour arriver chez les Blancs.
Mais aujourd'hui, là, c'est tout le monde qui voyage avec passeport et visa. J'ai dit que je n'ai pas envie de dire certaines choses. Si vous n'avez pas compris ma vidéo, je suis là pour vous expliquer. Donc, votre affaire de nom, en France ici, là, arrêtez ça un peu. Vous n'êtes pas un exemple là-bas. Vous comprenez? Vous n'êtes pas un exemple en France. La majorité des Africains en France, là, c'est le dernier exemple même des immigrants. Vous êtes le dernier exemple. Parce qu'ici, au moins, là, on fait des efforts. Donc, vous n'avez pas à dire non en France. C'est ce qu'elle dit. Vous faites comme si vous respectez les lois là-bas. Vous ne respectez pas les lois là-bas. Donc, si vous avez votre soeur qui vient critiquer quelque chose là, dites Dieu merci. Vous comprenez? Le barreur peut te mettre dans sa maison aujourd'hui. Il t'a mis dans la maison là. Si tu fais 5 ans dans sa maison, donc tous les jours, chaque mois, il va venir. Et chaque année, il va venir pour suivre ça. Il dit, ma copine avocate m'a donné tout. Elle m'a tout expliqué. Comment ça fonctionne. Il dit, maintenant dans mes vidéos là, je m'abstiens de dire certaines choses. Faut pas qu'on pense que mon but là, c'est pour dénigrer tout et tout. Mais quand je dis quelque chose, c'est parce que j'ai fait l'expérience. Je me suis renseigné. C'est automatique. Mais même si c'est automatique là, tous ceux qui sont là-bas, vous voulez me dire que tous ceux qui sont en France là-bas, ils ont une assurance habitation. C'est ce que vous êtes en train de me dire. C'est le constat que j'ai fait dans ma vidéo. C'est n'importe quoi. Oui, je suis Madame Connaît Tout. Je suis Madame Connaît Tout. C'est pour ça que tu es sur ma page. Est-ce qu'elle t'a appelé ici? On vous dit les choses, vous ne voulez pas accepter. Vous ne voulez même pas accepter la réalité. Des niamselets, je vois là-bas. Il y a un jeune qui m'a fait un commentaire sur ma page que j'ai apprécié. Il m'a dit, la mère, ce que tu as dit, c'est la vérité, mais souvent, c'est le manque de moyens. On n'a pas les papiers ou bien beaucoup de difficultés font que on sait ça, mais on contourne le système. Quelqu'un m'a dit ça, j'ai trouvé que c'est la vérité. Vous n'êtes pas un exemple. C'est obligatoire, mais vous ne respectez pas ça. Vous comprenez? Pour conduire une voiture, là, ça te prend un permis. Mais est-ce que c'est tous ceux qui ont le permis qui conduisent? Donc, on peut toujours sensibiliser. C'est ce que je suis là pour vous dire. Vous comprenez? Donc, arrêtez ça. Le recette d'enfer, c'est obligatoire, obligatoire. Obligatoire de quoi? Toutes les lois qu'on met là-bas que vous ne respectez pas là, toutes les lois qui sont là-bas qui ne sont pas respectées là, les lois ne sont pas obligatoires? Les lois ne sont pas obligatoires? quand je regarde vos commentaires, souvent ça me fait rire. C'est pour ça que je suis là. Je ne suis pas énervée, c'est ma façon de parler. Je ne suis pas énervée. Je ne suis même pas énervée même. Non mais il faut que les gens arrêtent à un moment donné. Je sensibilise les gens sur ça. Pour ceux qui n'ont pas compris le détecteur de fumée, oui, dans toutes les maisons, il y a le détecteur de fumée. Mais il est de ta responsabilité de t'assurer que ce détecteur de fumée, il est fonctionnel. S'il n'est pas fonctionnel, c'est zéro là. Alors que tu l'as dans la maison. Vous comprenez? Voilà. Est-ce qu'elle t'a dit, je suis venu chercher raison ici? Je ne suis pas venu chercher la raison. Je suis venu pour expliquer. Qu'on me fasse croire que non, tout le monde a une assurance habitation. Vous qui êtes en France, ce n'est pas vous tous qui avez une assurance habitation. C'est ce qu'elle dit. C'est ça. Quand j'ai passé mon message là, j'ai passé mon message pour ceux qui sont au Canada. J'ai passé mon message pour ceux qui sont en Occident, partout. C'est tout, c'est ça qui est là. Mais le problème, c'est que c'est vous qui voulez faire croire que vous êtes mieux là-bas. C'est ça même. C'est la partie du film qu'il ne comprend pas. Il a dit, vous n'êtes pas mieux que nous qui vivions au Canada. Attends, viens m'asseoir. Je voulais faire blé-blé, mais on dirait que blé-blé, là, ça ne passe pas. Vous qui viviez en France, là, qui que vous soyez là-bas, vous n'êtes pas mieux que les immigrants ici au Canada. Qu'est-ce qu'il a dit? Voilà, c'est ça aussi qui est la vérité.
qu'au Canada. Par exemple, je suis en train de lire vos commentaires maintenant, ici dans le direct même. Je suis en plein direct là. Assurez-vous juste que votre détecteur de fumée est comment on dit ça, est fonctionnel. Voici mon message que j'ai passé. Pour ceux qui n'ont pas les assurances habitation, prenez des assurances habitation. Je vous ai même donné plein d'exemples. Parce que si tu n'as pas une assurance habitation, mais qu'on vienne me faire croire que tout le monde a une assurance habitation en France là, oui, peut-être que oui, comme je le dis, comme m'a dit très cher, oui, c'est obligatoire, mais je suis avocate bientôt. Dans un an, je serai avocate. J'ai côtoyé les Africains ici en France. Monique, ils ont des manières de sortir de ce champ-là. C'est clair? C'est clair? La preuve ici, quelqu'un qui a fait 4 ans, ça fait 4 ans il est là, il m'a appelé aujourd'hui, il m'a laissé un voice, à 13h je l'ai rappelé, il m'a dit l'impacteuse, ça fait 4 ans ici au Canada, je ne savais même pas. La preuve, à Longueuil, sécurisez le direct, sécurisez-le. La preuve, dans la ville de Longueuil, le bâtiment, avec si je mens, les Africains qui étaient à Longueuil, vous savez que ce que Chantin dit, c'est la vérité. C'est passé à la télé ici. L'immeuble a pris feu la nuit en hiver. Je pense que Dieu merci, c'est pas loin de chez nous. Il n'y a pas eu de mort. Mais là, j'ai dit que presque tous les Africains qui étaient dans ce immeuble n'étaient pas assurés. Je ne connais pas pour les Blancs. Épargnez-moi vos commentaires. Ça dit que vos commentaires à 2 balles. Oui, les pâteuses, même les Blancs aussi. Je ne dis pas les Blancs. Mon combat, ce n'est pas le combat des Blancs. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas tous ceux qui sont en Occident qui ont une assurance habitation. Ici, pour conduire une voiture partout dans le monde entier, pour conduire une voiture, ça te prend au moins une assurance. Assurance un côté ou deux côtés. Oui, au Canada, tu as le choix de prendre un côté. Un côté, c'est-à-dire si je t'ai cogné ou bien si c'est moi qui t'ai cogné. En tout cas, les deux côtés. Mais il y a d'autres qui n'ont même pas un côté, qui n'ont pas les deux côtés. Est-ce qu'on ne t'a pas obligé? Tu as une obligation de prendre une assurance. Maintenant, si toi, tu as une assurance, tu dis, ok, j'ai une assurance. Mais tu ne viens pas dire que non, c'est une obligation. Est-ce que c'est parce que c'est une obligation qu'on respecte ça nécessairement? Voilà mon analyse. Voilà qui est clair. C'est là que je viens. Voilà. On sensibilise. Quand on sensibilise là, c'est comme on sensibilise dans la fête de prendre la Méditerranée, on sensibilisait. Donc quelqu'un vient, non, moi j'ai comment on appelle ça, j'ai pris l'eau, mais actuellement j'ai eu mon statut de réfugié. Mais est-ce parce que toi tu as pris l'eau que tu es venu qu'on ne doit pas sensibiliser contre ça? Ça dit que c'est ce que votre analyse de ce matin, c'est ce que ça m'a prouvé une fois de plus. Tu as pris l'eau, tu es arrivé, tu as construit un immeuble à Abidjan, ou bien tu as construit un immeuble à Douala. Mais est-ce pour autant qu'on ne doit pas sensibiliser les gens pour dire non, arrêtez de prendre l'eau parce qu'il y a un danger? Vous comprenez? Donc, laissez affaire de non, tout le monde a une assurance habitation en France. Parce que c'est votre commentaire. Les autres, il n'y a pas quelqu'un qui m'est venu avec ça. Les gens des États-Unis ont dit oui, ici, c'est quand tu veux acheter une maison. J'ai vu tous les commentaires, hein. Quand tu veux acheter une maison, là tu as une là tu ne peux pas ne pas, comme on dit. Mais si c'est en location, il y a moyen de passer à côté. Donc de quoi est-ce qu'on vient me parler? On vient me parler de quoi? J'ai dit, votre phrase, tu fais comme si tu es au Canada, c'est au Canada seul, il n'y a pas pauvre là-bas. Là. Cette phrase-là va vous faire souffrir. Pas maintenant là, c'est ça qui est là. Chaque jour, casquette, polo, tout, Canada. Sécuriser le direct. Les ennemis de la vérité sont là. Tu n'aimes pas les pâtés, tu viens sur le direct. Je prends mon coca. Maintenant, ça va être ça. Ça va être ça maintenant, toujours. Si j'étais bloqué ici, là où tu vas avoir l'occasion encore de parler.
bloqué. Attends, je l'ai bloqué. C'est ça. Elle dit sa façon de... Elle a dit quoi? Canada, oh yeah, c'est ça qui est là. Merci beaucoup pour les cœurs. Abeti Masikini, ok, on laisse comme ça. Voilà. En tout cas, elle a dit ça le dérange qu'on soit. Le mot obligatoire, tout dépend de comment vous voulez, vous pouvez percevoir ça comme vous voulez. Obligatoire ne veut pas dire qu'on respecte nécessairement. C'est tout. Obligatoire, est-ce que c'est ça? Il dit que parce que c'est obligatoire, on respecte nécessairement? Non. Voilà. Ou vous êtes des mamans là-bas, des chercheurs là-bas, des gens qui sont là pour tripatrouiller. Vous allez me dire quoi ici? De quoi est-ce que vous me parlez? De quoi est-ce que vous me parlez? Laissez les autres vont parler, pas vous qui êtes en France. Aïe! Canada a eu affaire. Canada a eu affaire. Qui me pose cette... En tout cas, vous savez, la dernière fois, ma soeur faisait une vidéo. Je n'ai pas dit son nom ici. Elle faisait une vidéo. Quelqu'un lui a posé un commentaire énervant. Elle a commencé à s'énerver. C'est là que j'ai compris comment vous vous sentez quand souvent on s'énerve dans les vidéos. J'ai vécu ça en direct il y a deux jours de cela. J'étais en train d'écrire, non, calme-toi, tu as sorti du sujet. C'est pour ça que je me calme. Surtout que la dernière vidéo que j'avais faite, où je m'étais énervée, puis je suis descendue là. Mon consultant m'a dit, il n'a pas aimé. C'est pour ça que je me calme là. Après, les commentaires, ils sont allés regarder là. Elle fait comme si au Canada, là-bas, il n'y a pas de pauvres. Lui, immigrant qui vient au Canada, qui veut être pauvre là, c'est lui-même qui veut rester dans la pauvreté. Lui qui vient au Canada, qui veut rester dans la pauvreté, c'est que c'est son choix. J'ai dit, ce qui peut t'empêcher en tant qu'immigrant, c'est-à-dire qui fait que tu vas rester peut-être dans une position de vulnérabilité ici au Canada, peut-être tu es malade. Tu es venu au Canada, la maladie t'a pris, ça c'est-à-dire que c'est les aléas de la vie. Actuellement, j'ai lutté avec ma fille, 14 ans, elle veut aller travailler fin de semaine. Travail est versé ici. Donc, si c'est ça qui est votre souffrance, qu'elle chante chaque jour là, je suis désolée. Il y a des BS man ici là. Les gens qui sont sur le bien-être social, c'est des gens peut-être qui sont malades, leurs conditions ne les permettent pas de travailler, tout et tout. Mais les gens, vous voyez les itinérants, tout et tout, vous voyez dans les rues là, c'est des affaires de toxicomanie et autres. Sinon, immigrants qui rentrent au Canada, ils disent, tu peux pas, c'est pas du niam sélé. C'est ce que je veux pour vous dire. Il a dit que le direct devient doux, mettez les cœurs. Moi, j'aime quand ils voient les crânes de mort, quoi. C'est un direct où je suis venu pour parler relax et puis voir les crânes de mort. De quoi est-ce qu'on est venu me parler? On est venu me parler de quoi? Canada, le pays où coule le lait et le miel, c'est de ça que tu viens me parler. Tu viens me parler du Canada? Le pays où tu arrives à l'aéroport, le pain te dit bonjour. C'est de ce pays que tu viens me parler? Hein? J'ai croisé un Ivoirien dans un petit magasin, soit il voulait manger le poisson après. J'ai appelé ma soeur, il dit bon, on se croise, on est parti manger. Il m'a vu dit l'impacteuse. Ça fait deux semaines, je suis là. J'ai déjà eu le travail. Et l'impacteuse, le père m'a déjà dit bonjour. Ouais, l'impacteuse. Maman. De quoi est-ce qu'on me parle? On me parle de quoi? Hein? Vous parlez de quoi même? Arrêtez, hein? Euro est plus grand que dollar, mais Canada, Canadien vit mieux que Euro. J'ai dit que les Français sont versés. Les Français, actuellement, va sur le site de l'immigration. Allez sur les forums d'immigration, les Français qui attendent leur CSQ, les Français, quand il dit Français, là, il parle de Haïti.
qui attendent pour rentrer au Canada. De quoi est-ce que vous me parlez? Vous voulez qu'on revienne à l'ancien débat? Hein? Vous voulez qu'on revienne à l'ancien débat là? Qu'au Canada, Canada. Vous n'êtes pas encore fatigué de ça. Il a dit, maintenant là, c'est ça qui est là. Chaque jour, Canada. Merci beaucoup. Mettez-moi. Mettez-moi les crânes de mort. Merci beaucoup. Mettez-moi seulement les crânes de mort devant les commentaires. Puis les bloque. La souffrance du Canada. Bénédicte Baron, toi, je ne suis pas pressée. Quand il est fini, il te cherche. Pas, il te cherchait, mais il y a bien de tes commentaires, mais tu es vite passé. Tu comprends? Il a dit que maison en bois, il y a maison de 1 million. Il y a maison de 2 millions en bois. Il y en a ici. De quoi on me parle? On me parle de quoi? Hein? On me parle de quoi? Dans les bicoques où vous vivez là, vous voulez parler aux Canadiens? Vous voulez parler aux immigrants canadiens, vous encore? Dans vos bicoques, j'ai dit, je respecte ceux qui sont en province, en France. Je respecte, j'ai du respect pour des gens qui sont en province. Il n'y a pas maison d'un Africain qui a coupé mon cœur quand je suis parti en France. À Paris. Il n'y a pas maison qui a coupé mon cœur. Je le dis Soho. Il n'y a pas une maison d'un Africain. Il s'appelle trois voyages en France. Il n'y a pas une maison d'un Africain qui a coupé mon cœur à Paris. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas joli là-bas, oh, mais je n'ai pas vu ce qui a coupé mon cœur là-bas. Je suis parti aux États-Unis. Il y avait une maison et puis ma bouche était ouverte à Atlanta. Hein? Je suis parti à Washington. Il y avait une maison. Des Africains. Puis ma bouche était quoi? De quoi on vient me parler? On vient me parler de quoi? De quoi on vient me parler ici? Partagez-moi le direct là-bas, mes personnes. Partagez le direct. Vous parlez de quoi? De quoi vous parlez là? Mais ça sentier, tu peux jeter ça sur ta page, mais il n'y a pas de problème. Jette ça, je te vois là. De quoi me parle? Mais il fait blé, fait doucement là, on veut venir. Mais nanana, Canada, Canada, vous dites quoi même? De quoi est-ce qu'on me parle? On me parle de quoi? Attends. J'ai dit, c'est l'Eldorado à l'air là. Canada, c'est l'Eldorado. Allez là. Canada, un pays où on ne veut pas que nos enfants travaillent. Actuellement, il y a lutte derrière Wendy. 14 ans, il veut aller travailler. Il dit, tu es pressé pourquoi? Attends. Non, mes amis. Un pays où mes amis travaillent. Quand on vient, ils disent que non, ils sont partis. Ils racontent leur expérience de travail. J'ai dit, hein? Il a dit, ma fille, il faut bénir Dieu. Il a dit que tout dépend de où tu es né. Et puis, ce qui s'offre à toi. De quoi est-ce qu'on veut me parler? Il a voulu faire un petit direct de venir expliquer un peu Henri. Vous voulez prendre ça au premier degré. Mais quand vous avez voulu prendre au premier degré là, il a envoyé ça au dernier degré. Aïe. Vous dites quoi même? Vous dites quoi? C'est pas possible. Vous n'êtes pas fatigué de ça? Vous avez une personne qui est passionnée d'un pays. C'est que vous devez faire maintenant, vous devez même ignorer, mais elle là, on ne peut plus rien faire pour elle, elle s'en a fait du Canada. Mais vous venez toujours avec ça. Vous venez toujours avec ça. Elle fait comme si au Canada, là-bas, il y a quoi? Canada, c'est le pays où coule le lait et le miel dans le même robinet. C'est toi qui choisis. Où vous êtes là-bas, là? Il y a lait et puis miel dans un robinet. Il y a du lait et du miel dans un robinet là-bas. Aïe, votre soeur a fait une vidéo pour sensibiliser. Vous-même, vous savez que oui, c'est obligé, mais il y a d'autres qui ne le respectent pas. Vous le savez? C'est pas du Niamselé. C'est pas du Niamselé. De quoi est-ce qu'on me parle? On me parle de quoi? J'ai dit, le pays que je cherche à aller voir actuellement là, c'est l'Australie. C'est Covid qui a tout gâté.
C'est l'Australie. Je vais aller à Adelaide. Je vais aller à Sydney. Je vais aller voir là-bas. Je suis partie en France, mon cœur n'a pas coupé. Je suis partie là, mon cœur n'a pas coupé. J'ai vu, Paris c'est beau. La France est un beau pays. Mais comment les Africains vivent? Mon cœur n'a pas coupé. Londres, j'aime pas trop Londres parce que ça me rappelle encore le Canada. Ça me rappelle un peu Vancouver. J'ai trouvé ça comme une ville un peu, comment on dit, un peu maussade. Voilà. Puis Londres, c'est une ville un peu pluvieuse. Mais j'ai quand même passé de belles vacances là-bas. Donc, on vient me parler de quoi? J'ai dit, si je suis en France, je vis en province. Je vis en province, je vis en banlieue. Paris. Ou bien si je suis dans Paris, peut-être que je vais me trouver un appartement de luxe quelque part là-bas. Là, sinon, Paris, des Africains entassés dans la saleté là-bas. Là. C'est ça qu'on vient de parler ici. C'est ça qu'on vient de parler ici. Attention à vous. Hein. Faites très attention. Vous avez compris? Faites très attention. J'étais venu pour faire un petit direct explicatif, tout et tout. Mais j'ai vu où vous avez emmené là. Donc c'est là, la direction que vous avez pris là. C'est là, le sac de piment dans lequel vous avez voulu qu'on nous tous on se tourne là. C'est dans le même sac de piment là. C'est la direction du sac de piment. Ils sont en train de prendre avec vous. Vous me parlez de quoi même? Vous me parlez de quoi? J'ai dit, école primaire de Wendy ici, tu vois, il y a une université. La mère, si j'ai menti. La mère arrivée, j'ai pris la mère, j'ai dit, ah non, tu vas à l'école primaire de Wendy. Elle était comme ça. Elle dit, hé? C'est l'école primaire qui est là. On va me parler de quoi? On va me parler de quoi? Pays où tu fais entretien ménager, oh. tu fais quoi, ça s'offre à toi. Je suis là pour faire, je suis quitté sur assurance habitation maintenant, je suis sur Atalakou spécial du Canada. Vous comprenez? J'ai dit maison coupe pas qu'en France, je suis parti en France, maison n'a pas coupé mon cœur. Maison n'a pas coupé mon cœur, je suis parti aux États-Unis, maison a coupé mon cœur. Je suis arrivé à Atlanta dans une maison, était comme ça. Ma bouche était ouverte. Je suis arrivé à Washington, ouverte. Philadelphie, ouverte. Maison des Africains, s'il vous plaît. On me dit quoi ici? Hein? Quoi ça? Les cocotieres dans lesquelles vous vivez là-bas. Les cocotieres là. Pardon. Ne faites pas ça, hein? Pour vous, c'est mieux. Province est mieux là-bas. On dit quoi ici? Je suis là pour vous donner le conseil, il y a l'expérience. D'autres maisons là, d'autres sont venus qui viennent témoigner sur mes choses. À part même France là. Où vous êtes là. Où, si vous quittez là, c'est à Babi. À part France, c'est Babi. Il y a où encore? Il y a où? La différence entre vous qui êtes en France, oui. Parce que c'est les gens de France. Aujourd'hui, il n'y a pas de ceux qui vivent en Europe. Hein. Vous qui vivez en Europe, papa, il n'y a pas des gens de la France qui sont venus sous mon commentaire. Au début, je me suis dit, bon, ils n'ont pas compris. Donc, je suis venu pour réexpliquer. On me dit, non, dans toutes les maisons, il y a détecteur de fumée. Est-ce que j'ai dit, il n'y a pas détecteur de fumée? Mais j'ai dit, assurez-vous qu'il est fonctionnel. C'est ça qui vous a fait mal. Non, ta. On me dit dans le Canada. Affaire de Canada, vous pouvez. J'ai dit, d'ici 5 ans, on est là, hein, les vidéos restent. D'ici 5 ans, 10 ans, un jour ma vidéo va tomber dans la main de quelqu'un. On va me prendre pour être représentant du Palais du Canada. L'Africaine qui va parler du Canada. C'est moi, on va choisir. Écrivez ça quelque part. Écrivez ça quelque part. Il fait froid dans les mains. Il fait froid au Canada. Mais tu veux, tu chauffes ta maison. Seulement qu'il faut t'apprêter pour se faire sortir l'argent. Ouais, tu m'as ouvert là. Il fait froid dehors. Mais ma maison est bien chauffée. Donc, de quoi est-ce qu'on va me parler? On me parle de quoi? J'ai dit que je lui paie Wendy. Elle veut aller travailler. J'ai dit non. Tu ne travailles pas, tu vas à l'école. Elle dit non. Et ça dit pays où les enfants veulent aller travailler pour faire s'amusement. Partagez le direct. Le Canada, c'est le pays où les enfants veulent aller travailler pour faire s'amusement. Elle veut aller travailler juste
parce que ses amis parlent. Non, j'étais allée travailler. Elle veut aller travailler pour ça. Il dit, pour le moment, tu ne peux pas te lever. Vous comprenez? C'est le Canada, le pays où les enfants s'en vont travailler juste pour faire s'amusement. Pas parce qu'ils ont besoin d'argent. Donc, si les enfants, les enfants, la dame m'appelle, non, j'ai une disponibilité pour elle la nuit, de soir, de jour. J'ai dit quoi? Soir, jour, nuit, 4, non. Je veux juste qu'elle va aller faire au moins 4 heures. Donc, c'est sur ça, elle et moi, on a tellement discuté. Donc, on va me parler de quoi? J'ai dit que ce débat-là, quitter des temps. Quitter des temps. Si vous êtes fâché du fait que je parle toujours du Canada, voyagez un peu, quittez un peu où vous êtes venu. Ne venez pas en hiver, parce que si vous venez en hiver, vous n'allez pas apprécier. Partagez ma vidéo, mes personnes. Il y a mes personnes en train de rire. Peut-être direct de la nuit, vous êtes là, partagez. Ne venez pas en hiver, prenez en hiver, c'est la neige, à moins que vous ayez aimé le ski. Mais combien d'Africains qui font du ski? On n'est pas nombreux. Donc, je vous conseille, venez un peu vers le mois de mai, juin. À partir de juin, déjà, c'est beau. Venez. Ça va? Non, c'est quoi? Tu peux passer. Venez au mois de juin. Vous allez apprécier la beauté du pays. Vous allez apprécier l'Amérique. Où il n'y a pas clôture devant maison. Mais les clôtures, c'est à côté. C'est ça. Donc, affaire de non, c'est obligatoire. C'est pas parce que c'est obligatoire que c'est respecté. C'est tout ce que je veux que vous compreniez. Bon, tu sais que Stéphanie, tu sais que juste pour ce commentaire, je pouvais te bloquer. Hein. Je pourrais te bloquer pour ça. Mais je te laisse. Ça dit que vous n'aimez pas la paix. Tu viens me prononcer le nom de ce jeune homme ici pour m'énerver. Quelqu'un qui a dit quelque chose, qui a insulté mon mari, tu viens faire le commentaire ici pour m'énerver. Tu vois, si je te bloque, tu as dit que je suis mauvaise. Tu vois, mais je ne vais pas te bloquer, je vais te laisser. Vous comprenez? Biri. Eh là, go. J'ai dit que mon frère, il m'a fait la talacou de la soeur, une soeur. On va aller, elle est, comment on appelle ça? Elle est, son mari est ingénieur. Ils ont, là-bas, vous vous dites pavillon. Nous, il y a pavillon. Nous, ici, c'est pas pavillon. Nous, il y a condo. Il y a, en tout cas, il y a condo. Il y a, comment, bungalow. Il y a toutes sortes. Donc, il parlait pavillon, pavillon. Il dit, je connais pas. Pavillon, il a peut-être dit, je sais pas à quoi ça ressemble. On arrive là-bas. Et le grand frère a tellement fait la talakou aussi. J'ai dit, bon, on arrive là-bas, Joe. On dit, Marie ingénieure, elle est aide-soignante. J'ai vu la maison, bon. Ça ressemblait à... En tout cas, j'ai pas fait waouh. J'ai pas fait waouh. Fantastique, comment tu vas, ma personne? J'ai pas fait waouh. Y'a pas une meuf qui m'appelle waouh là-bas. Par contre, les quartiers m'ont plu. À Paris, à la Défense, je suis partie, j'ai vu de beaux quartiers. Mais combien sont ces Africains qui habitent là-bas? C'est là que vient ma question. Vous comprenez? Voilà. J'ai vu là-bas. Mais en province, banlieue, j'adore. Mais malgré ça, malgré ce fait-là, désolé, la qualité de vie de où vous êtes avec au Canada... C'est incomparable, c'est pas la même chose. La preuve, il y a des milliers de Français qui rentrent au Canada. Ça, c'est clair. Aïe, je ne suis pas une menteuse. Aline Prime Béni, je ne suis pas une menteuse. États-Unis, tu arrives là-bas, les maisons. Quand un Africain te dit la paix, sa maison aux États-Unis, dans un coin des États-Unis, mais quitte, hein, tu arrives dans la maison, écoute, tu es d'accord. Et puis, on est en Amérique, là, le crédit est facile. Donc, quand les Africains veulent faire dans le gros, là, ils font du balèze. Ça, il faut reconnaître. C'est ça. Moi, je respecte nos frères aux États-Unis.
qui ont leur maison. Et quand tu arrives là-bas, là, il dit, c'est toi-même qui refuses. C'est moi même là, on te loge même dans... Mais je suis partie chez vous là-bas. Voici un truc que vous avez là-bas. On loge étranger sur chaise, fauteuil la journée, la nuit, ça devient lit. Il n'y a pas ça au Canada. Étranger qui vient là-bas. On le loge, la journée on est assis, c'est fauteuil, tu es assis. La nuit ça devient lit. Est-ce que j'ai menti ça là? Je n'ai pas menti. Il n'y a pas ça ici. Il n'y a pas ça. On n'a pas ça. On prévoit d'avoir une chambre des visiteurs. On est assis. J'ai dit que partout où je suis passé, c'était comme ça. C'est pas chez une seule personne. On est assis le matin, on jase bien. La nuit, là, vous avez fini. Dès qu'il fait nuit, maintenant, quand le sommeil commence, ça devient lit. C'est en France là-bas. Vous aussi, vous avez venu critiquer les Canadiens. On n'a pas ce problème ici. Quand on paye nos maisons, même déjà, on prévoit la chambre des visiteurs. Il n'y a pas un Africain qui paye une maison au Canada et puis il ne va pas prévoir chambre des visiteurs. Ça fait 11 ans, je suis là, chez tous les Africains. Même quand ils ont de nombreux enfants, ils prévoient une chambre des visiteurs. C'est la différence qu'elle a. Donc, vous aussi, vous allez venir vous comparer à nous. J'ai dit que c'est le froid. Si vous parlez de froid, on vient dire d'accord. Avec la bouffe, vous avez la bonne bouffe, la fraîcheur là-bas. La bouffe du Canada, elle est zéro, ça c'est clair. Sinon, à part ça, là. Pardon, laissez le reste. Tous ces niams, c'est là, ils vivent dans les rues de France là-bas. Et aussi, vous allez venir me dire, ils ont assurance à habitation. Et puis moi, je vais croire ça. Pardon. Ça est obligatoire. Mais vous contournez ça là-bas. Ce que vous faites pour contourner là, je n'ai pas tout dit. Et maintenant là, j'ai dit que je ne dis pas trop toutes les choses. C'est pas tout on dit sur les réseaux sociaux. C'est ça qui est là. Donc c'était ça. Je suis en combien de temps même de ma vidéo? Dites-moi, ça fait combien de temps? Wendy, elle revient de l'école. Elle suit ses devoirs un peu et puis on va souper. Aïe, mais c'est ça, ma belle, tu es là, tu sais, c'est la vérité. Ah, elles sont là ici. Dites-moi, ça fait combien de minutes là? Aves, comment tu vas? Je sentais Michel et le soir là. Ok. Je compare la France au Canada. Parce que quand je fais mes vidéos sur le Canada, c'est vous qui venez. Vous venez publier, vous faites des commentaires, mais c'est vous. C'est vous qui venez après dans mon inbox. Mais je compare la France au Canada. Parce que vous êtes mes premiers qui avez commencé à me dire, elle pense que quoi au Canada, il y a quoi là-bas. C'est vous les gens de France. Quand même j'étais dans mes wo là, les blogueurs qui avaient fait, elles croient qu'au Canada là-bas, maman, faut quitter, soulève tes fesses de où tu es en France, viens un peu au Canada, viens en vacances au Canada. Faut venir en été. Tu as apprécié? Tu as apprécié? Pays où étranger vient et puis étranger, on le fait coucher sur le canapé dur là, c'est les gens, vous voulez comparer? Vous voulez comparer? Vous voulez qu'on rentre en comparaison? Aïe, je n'ai pas menti. Votre assurance là, elle est obligatoire là-bas. Mais ce n'est pas vous tous qui avez ça là-bas. C'est ça qu'elle a. Ma copine avocate là, qui va sortir avocate l'année prochaine, elle m'a démontré par A plus B comment vous contournez ça là-bas. Mais je ne vais pas dire ici comment vous contournez. Donc, venez pas me dire ici que, non, tout le monde a assurance habitation. D'ailleurs, j'ai vu à la gare du Nord, là, tous ils ont assurance habitation. À la gare du Nord, là-bas. Comment on appelle le coin, là? Au forum, là. Forum qui est déplacé dans le 17e, là. Où on est parti? Château Rouge, là. Au Château Rouge, là, tous ceux qui ont vu, là, ils ont assurance habitation. Pardon. Arrêtez ça un peu.
Les gens qui sont versés vers porte de Bagnolet, où on est passé là, tous eux aussi, ils ont assurance habitation. Eux aussi. C'est ça. Oh, la gomme. C'est les Parisiens qui y attachent. Parce que d'abord, même vous ne vivez pas là-bas. C'est, mais vous dites que vous vivez à Paris. Ça dit que vous avez pris le nom de Paris. Moi, quand je parle dans mes vidéos là, vous voyez, hein, j'ai dit quand j'étais à Montréal. Donc, ça veut dire que j'habite plus Montréal. Mais vous, mais vous avez honte qu'on dise que vous n'êtes plus à Paris. Vous avez collé Paris là sur vous comme ça. Alors que la souffrance de ça, qui est sur les gens à Paris. Vous comprenez? Donc, laissez ça. Pendant ma vidéo, et puis bon, on se laisse. Mais oui, non mais on va me faire croire autre chose. On ne peut pas me faire croire autre chose. On ne peut pas me faire croire autre chose. Voici la je n'ai même pas dit, la mère qui est arrivée tout et tout. Et comme je dis, il y a toujours un avantage quand on vient au Canada parce qu'on vient avec les papiers. Ça, pour ceux qui me suivent depuis le début, c'est ça. Merci pour la personne qui m'a envoyé des étoiles. Merci beaucoup. Oui, c'est bon, j'ai laissé. Souvent, mon consultant, il m'a dit la vidéo où j'étais énervée de la vidéo où on m'a traité des choses. Il m'a dit, tu as raison, mais j'ai pas aimé quand tu t'es fâché. Et puis, effectivement, j'ai vécu ça en direct. Quand une personne que je suivais, j'étais concentrée dans son dé. Elle s'énervait. J'ai dit, ah, je comprends. Après, quand le direct est fini, j'ai dit à mon mari chéri, je comprends maintenant. Quand les gens t'énervent, au contraire, il ne faut même pas t'énerver dans le direct. Parce que ça met mal à l'aise ceux qui te suivent. C'est pour ça, maintenant, j'ai décidé de garder un peu dans le ventre. J'ai dit, non, c'est pas tout, hein, venir détailler sur les réseaux sociaux, tout et tout. Et vous allez venir me dire. Vous pensez que vous allez tirer ma langue et puis je ne dis plus. Maintenant, je ne dis plus. C'est ça. Voilà. Lauriane Bayron, oui, toi, nous, il est ma star. Toi, je t'invite, tu es partout. Donc, tu as beaucoup de stars. Mais c'est pas grave, tu es dans la team. Merci beaucoup. En tout cas, je vous aime. J'allais suivre un peu les devoirs de Wendy. Et puis, bon, on va souper. Vraiment, partagez ma vidéo. Ma vidéo, c'est que oui, c'est une obligation. L'assurance habitation. Je suis d'accord. Mais c'est pas tout le monde qui a ça là-bas. C'est là, je suis pas d'accord avec vous. Venez pas me faire croire que vous tous qui êtes là-bas, là, vous avez assurance habitation. Si vous me dites ça, je dis non. Voilà. Aïe, les Niamsele aussi, j'ai vu là-bas, là. Non, 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 non. Non, il ne peut pas accepter ça. Il ne peut pas accepter ça. Ah! Il ne peut pas accepter ça. Non, 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 non. Pas d'accord avec ça. Non, 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 non. Aïe! Il y a des moyens de que vous faites pour bloubander les gens là-bas. Aïe, attends, je m'éteins, c'est bon. Donc, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Merci beaucoup. Je vais vous laisser. Partagez le direct. Partagez-le, s'il vous plaît. Partagez le petit direct. Oh, merci pour les étoiles. Avant, quand je faisais les directs régulièrement, j'avais beaucoup d'étoiles. Là, j'ai vu que des gens m'ont donné des étoiles. Merci beaucoup. C'est gentil. C'est ça. Sinon, le but, c'est que, oui, vous avez des détecteurs, mais assurez-vous que le truc là, oui, on rit, mais c'est la vérité. Assurons, pour qu'on s'assure que ça fonctionne. J'ai dit, j'ai eu 10 messages aujourd'hui, des Ivoiriens qui étaient ici. Ils disent, ils ne savaient même pas que ça prenait, qu'on prenait l'assurance. Lui, il attendait l'année prochaine qu'elle va payer sa maison. On lui a dit, quand tu payes une maison, il faut que tu prennes. J'ai dit, non, même dans la location, il faut que tu prennes une maison. Il faut que tu prennes une assurance. Donc, ils ont dit, ils vont prendre. Donc, ça veut dire que mon message, il n'était pas si faux que ça. Fauteuil la journée, pas on est assis là, la nuit là, ça devient lit. Le dos là, il dit, on ne peut pas tout dire ici. On ne peut pas tout dire. Il dit, moi, il m'a en France ça. C'est pour ça que quand je suis partie à Paris, j'ai dit, je ne dors pas chez quelqu'un à Paris. À Paris, je ne dors plus chez quelqu'un. Je ne dors pas chez quelqu'un à Paris. J'ai parté dernièrement là, il y a une impactée. Il a dit, sur les réseaux sociaux, il y a du bon. Une impactée à New York. Qui avait préservé, oui, elle a réservé déjà l'hôtel pour moi sur les champs. Et puis, après le Covid, elle est venue gâter. J'ai dit, même si tu n'es pas réservé, je ne dors pas chez quelqu'un. J'ai dit, je suis rentrée au Canada, toute courbaturée. Je lui ai dit, la douleur de ça dans le dos. La première fois que je suis partie.
La douleur de ça. Attends, nous, nos lits là, c'est les lits queen, les queen ou les kings ou les, ceux même encore. J'ai dit que je suis partie aux États-Unis, chez une Ivoirienne, j'ai vu les lits. J'ai dit quand je suis rentrée dans sa chambre, California King Beds. Vous savez ce que c'est, les gros lits. Rien n'a même à faire un clip avec ce genre de lits là, aux États-Unis. Tu dors dedans quand tu es froid. Les lits où quand tu es par là, tu es en par là, le gars là, où tu t'en fous, par exemple, tu es dans ton coin, il ne peut pas quitter. Ça dit qu'il ne peut pas quitter dans la zone A pour venir dans la zone D là-bas. Il bat, il se roule, mais il n'arrive jamais. Mais canapé là, j'ai dit, la douleur de ça dans le dos. Quand je partais maintenant la deuxième fois, on partait en famille là. J'ai dit, chérie, c'est à l'hôtel. On a pris nos hôtels tranquille, le séjour s'est bien passé. Et j'ai ma soeur à chose dans Patel lui rendre visite. Je ne dors pas chez quelqu'un à Paris. Mais en province, je dors chez les gens. En province, oui. Paris, pardon. Non seulement la douleur de ça dans le dos, sans compter les punaises, les tout ce que tu veux. Pardon. Mais dites-moi, le direct, comment j'ai arrêté, s'il vous plaît. Oh, 200 étoiles, my God. Merci beaucoup. Largo. C'est pas possible. On vient dire les choses pour rire. Ça devient tant. Et voilà où on est arrivé. On est arrivé sur le sujet du Canada. Entends, vous savez que je suis une passionnée du Canada. Quand je commence à faire du Canada, là, je n'arrête plus. Je commence à faire du Canada, je n'arrête plus. Donc, ne me mettez pas dans ça. Vous comprenez? Non. Arrêtez. Bien sûr, je suis parti quelque part un jour. Comment on appelle ça? Un fait des choses. Il voulait commencer le discours de Canada, à Canada et États-Unis. Il dit, Canada et la France. Il dit, mon frère, faut laisser ça. Tu es venu, tu es fumier, faut apprécier. Faut apprécier, mon frère. Si tu apprécies, tu vois, non, c'est parce que les prêts, comme ça, qu'est-ce qu'il a dit? Il a comment parlé? J'ai dit, faut laisser ça. Faut regarder le positif. Si tu regardes le positif, tu vas apprécier. Faut laisser comparaison. On peut pas comparer au fromage de la France et au fromage du Canada. Tout le monde sait que le fromage de France, là, c'est ça qui est meilleur. Quand il mange en France, il prend du poids comme ça. Tellement moyen de France est doux. Mais tu as bien comparé la qualité de vie. Aïe, tu as bien comparé la qualité. J'ai dit qu'on parquait quelque part dans un immeuble à Paris. Une de nos cousines, mon frère aussi, là, mon frère est né, il veut forcément me faire plaisir. On s'en... Maintenant, après qu'on est en train d'arriver, il me dit que, il me dit, embêté, où on va là? Ah. Faut qu'il te dise pour ne pas que tu sois trop découragé. J'ai dit quoi? Il dit, c'est qu'il y a c'est au quatrième, mais la dernière fois où il était parti, là, quatrième ou cinquième étage, l'ascenseur était en panne. J'ai dit quoi? Comme il me connaît, donc il me prévient déjà. J'ai dit quoi? Au cinquième? Il dit, non, mais ça c'était quand j'étais parti il y avait 6 mois, mais je crois que maintenant ça doit être bien, tout et tout. Le grand frère ne peut pas me dire que l'ascenseur est hors d'usage et ça ne marche pas. J'ai dit, mon grand frère, moi je suis déjà fatigué de... Il dit, fais un effort. Il a dit, la souffrance de ça. On monte l'escalier là. Ça l'est embêté, on dit, maman, on s'en va, on n'arrive pas. J'ai dit, ah grand frère, est-ce que c'était obligé qu'on vienne ici? Ah, vraiment. Il dit, non, bon, comme il y a longtemps, tu ne l'as pas vu. Hein? C'était des tantis, on avait entendu parler d'eux depuis 1900, ouais, quand on était petit, je suis à Paris. Le nom de Paris dans la bouche. Le nom de Paris dans la bouche. Je vais m'arrêter là, parce que mon grand frère me suit. Waouh, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour les étoiles. Merci beaucoup. Oh, c'est gentil. 300 étoiles. Pour un petit direct où je voulais, merci beaucoup. Vous êtes trop gentil, merci. Oui, aïe.
C'est la surprise, mais c'est pas grave. C'est la surprise, mais c'est appréciable. C'est appréciable. Bon, je vais vous laisser. Je vais vous laisser parce que ma fille a quitté l'école. Il faut que je m'occupe d'elle. En tout cas, merci beaucoup, mes personnes. Donc, sachez que le permis de travail est obligatoire au Canada, pour partout dans le monde, pour conduire un véhicule. Mais il y a des gens qui conduisent sans le permis. Et au Canada, pour conduire, tu es apprenti conducteur, tu n'es pas supposé conduire tout seul. Mais il y a des personnes qui le font. Voilà, c'est ce que je veux que vous retenez. Ma maison, c'est un environnement de travail. Personne ne doit fumer à moins de 6 mètres de ma maison. Mais il y a des gens qui le font. J'attire toujours leur attention. Monsieur, madame, vous n'êtes pas supposé jeter votre mégot de cigarette devant ma maison. Et puis, il regarde, quand il voit l'insigne qui est devant ma maison, il dit, oh, excuse-moi, j'avais pas vu. Donc, c'est la réalité qui est là. Oui, la loi oblige ça, mais il y a toujours, c'est pas tout le monde qui respecte la loi. C'est pas tout le monde. Ça dit qu'il y a toujours des moyens de pouvoir aller contre la loi. C'est ce que j'ai à dire. Sur ce, prenez soin de vous. Merci beaucoup pour toutes ces étoiles. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Au revoir.